44 Joël. Ici 172, sous Gandel 101. 101 est l'opérateur et Christian, la QSL. Il est 0h20 sur la Nouvelle-Calédonie. Pour le sud-ouest France en mobile. Attention à la Nouvelle-Calédonie pour le sud-ouest de France en mobile. Attention à la Nouvelle-Calédonie pour 14 Oscar Delta Romeo 002 sud-ouest de France en mobile qui vous lance appel. C'est très clair, hein.
Attention, la Nouvelle-Calédonie pour le Sud-Ouest France en mobile 14 Oscar Delta Romeo 002 vous envoie les bandes 73-51. Partant les stations pour la Nouvelle-Calédonie, 172, Sugar Delta 100 à l'époque. Et ça passe. Attention, la Nouvelle-Calédonie pour 14 Oscar Delta Romeo 002, Sud-Ouest France en mobile, qui vous lance appel. C'est trop petit, hein. C'est trop petit, là. Je vais retourner en triple 5 là, pour voir si. Ok, merci de m'avoir répondu. Des bonnes 73-51 à vous. Bonne, j'allais dire bonne journée, bonne, plutôt bonne nuit à vous. Au niveau de la Skyper, dans l'immédiat.
dire, je te dis, je compte pas la changer, hein. Même si c'est une petite antenne, j'arrive pratiquement à tout faire. Là, j'ai contacté encore l'Alaska il y a pas très longtemps, tu vois, il y a très peu de divisions qui passent au travers, là, ok? Ouais, c'est quelle division tu dis Madagascar? Parce que Madagascar c'est 188 je crois. Hein. Ouais, mais si, je l'ai eu, hein. C'est pas Madagascar, hein. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée 101 à T-170, oui, je me rappelle très bien parce que je sais plus ce que j'avais fait, je lui avais écrit et je crois qu'il manquait un dollar, je sais plus, ouais, ça devait être 2 dollars la contribution, j'avais envoyé un dollar, il m'avait demandé de renvoyer un dollar et puis après j'avais oublié, et puis finalement il m'a quand même envoyé la carte QSL, hein. Donc apparemment, ouais, c'est ça, c'est un mec, j'avais vu même des photos, enfin j'avais vu, je crois qu'il était super bien, il avait une super baraque avec un monstre au bord de la mer, enfin le mec était vachement bien placé, hein. Ah ok, bah c'est possible, hein. Ça fait un moment que je l'ai pas entendu, hein. ça fait un petit moment que je l'ai pas entendu. Alors attends, bouge pas parce que je suis en train de regarder un truc là, je cherchais un truc pour toi, mais je trouve pas encore. Ouais non mais c'est possible qu'il ait déménagé. Hein. I said, I don't think we've talked to the Raw Rule guy. He was on first from Texas. Yeah, the one that I talked to the most in Texas is Robert. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors attends, bouge pas, je suis en train de regarder. Moi, je vais pas faire trop loin après parce que je vais bientôt passer au gastro. Là, j'étais au pro tout à l'heure, on est rentré il y a pas très longtemps et on n'a pas eu le temps de grignoter encore là. Non, mais je suis en train de regarder quelque chose. Là. J'étais en train de chercher quelque chose justement à merde où il parlait du Rick Expert là. Qu'est-ce qu'il affichait? Tu me demandais des trucs tout à l'heure, mais j'arrive pas à retrouver là. Oh, that sounds good. You don't eat breakfast when you first get up? Not really, no, because I have my pills and I have my banana and I have my
Alex on Mocha, and I talk on the radio. Ah ok, mais c'était lequel enregistrement? C'était il y avait que toi dessus ou c'était un best-of? Ah oui, d'accord, ouais, t'as vu, bah il était, ouais, c'était nickel. Hein. Ouais, non, ça marche bien. J'ai entendu un break derrière, mais c'est tout petit de mon côté là. Ouais, ok, non, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, attends, bouge pas. Attends, ça m'énerve, j'arrive pas à retrouver. C'est incroyable ça. C'est incroyable. J'arrive pas à retrouver le truc là. J'ai vu un truc tout à l'heure, je voulais te dire exactement, et puis là j'arrive pas, j'étais sur la page, et puis j'ai l'ordinateur qui a planté, et puis j'ai perdu le graphique. Oh, ok, ça marche, y'a pas de soucis là. Pas de soucis. Ok, bah c'est bon, j'ai retrouvé le truc là, le graphique, je vais pouvoir te dire ça. Ouais, non, mais bon, c'était pas pour le prix, parce que tu vois, le prix, même toi, tu me disais que tu pensais que ce serait plus cher. Mais en fait, tout le monde a cette MLJ, tu vois, tout le monde a cette MLJ. Bon, en plus, c'est pas vraiment le top MLJ, hein, ça me cherche, mais bon, moi j'ai vu des commentaires, y'a un petit peu de tout, quoi, mais les gens achètent parce que c'est simple, et puis que, voilà, et puis c'est le même appareil qui existe depuis 20 ou 2, depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, tu vois. Mais bon, si tu peux avoir mieux pour le même prix et plus moderne, ben voilà, quoi, c'est ce que je me suis dit, tu vois, je voulais un appareil plus moderne, avec une nouvelle technologie, quoi, tu vois, celui-là, tu peux le brancher sur le PC, il est beaucoup mieux que, même si ça coûte pas plus cher, tu vois, donc, voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais te dire, alors, attends, je suis en train de voir les courbes, ouais, donc, il t'affiche sur les courbes, il t'affiche, donc, le SWR, il t'affiche la phase, ensuite, ouais, t'as la résistance, RX, module d'impédance, ah, t'as plein de choses, hein, rectangle, Z, qu'est-ce que je peux, réflexion aussi, ouais, t'as les schémas aussi, hein, t'as les schémas, comme tu dis, là, avec les ronds, qui s'affichent, ouais, t'as beaucoup de choses, hein, mais après, faut t'y connaître un peu, quoi, ok. Ouais, et puis en plus c'est pas donné, je sais pas, enfin faudrait que je regarde à combien il est, mais il doit pas être loin au niveau du prix, hein. Bah déjà tu peux pas le connecter sur le PC, le MFJ il a pas de port USB. Est-ce qu'il a le multi SWR? Non, il a pas le multi SWR. Qu'est-ce qu'il a pas? Il a pas de mémoire, moi j'ai 100 mémoires dessus. Donc je te dis quand t'es en portable ou en voiture, tu analyses ton antenne et puis ensuite t'as 100 mémoires, donc tu utilises ta mémoire et ensuite tu rebascules sur le PC. Non, il fait pas tout ça le MFJ, hein. Et là je suis en train de regarder chez Batima, voilà, chez Batima il est à 310€, il est même plus cher que le mien. Je sais pas, je peux regarder.
Attends, je vais regarder, je vais taper Eric Expert. Non, j'ai pas trouvé, mais peut-être qu'ils l'ont, hein, c'est possible. Je l'ai vu chez Sardif, il est chez toutes les boutiques, chez Wimo, chez Sardif, il est un peu partout. Hein. Voilà. Par contre, le seul truc que je pourrais reprocher, c'est la finition, tu vois. Je crois que le MFJ doit être en métal ou en aluminium, que le Rig Expert, la coque est en plastique, tu vois. Mais bon, à l'intérieur, c'est de l'électronique, hein. Mais voilà, quoi, le plastique, en général, ça fait plus cheap que l'aluminium. Ouais, bah, je viendrai toujours, bon, peut-être un peu moins, parce que je te dis, en ce moment, j'en fais de moins en moins, enfin, j'en fais toujours, mais tu vois, je me limite, quoi, je tire, ou alors j'essaie de monter assez haut, parce que c'est pour pas être emmerdé, parce que bon, si je peux, à chaque fois, je fais un contact, et puis après 2 minutes, il y a 36 000 personnes qui m'appellent, après j'ai des porteuses, enfin, tu vois le truc, quoi. Ouais, tout à fait, hein. tout à fait. Non, là, t'es à plus 20, hein. T'es à plus 20 dB, là, y a pas de problème. Hein. Non, en général, quand je suis avec des copains qui m'arrivent assez fort, j'ai pas de problème. Hein. J'ai un autre copain, lui aussi, c'est pareil, il me fait halluciner à chaque fois, il m'arrive, c'est un des seuls d'ailleurs sur 11 mètres que je fais aussi fort, hein. Lui, il m'arrive entre plus 30 et plus 40 dB, hein. Donc quand il est là, j'entends plus personne. Hein. C'est clair que lui, il me bloque le 11 mètres. Hein. Mais avec toi, c'est pareil, hein. Plus 20 dB en général, ça va en général, on est tranquille. Hein. Voilà, je pense que t'inquiète pas, je viendrai toujours. Et puis, pour l'instant, là, j'ai pris rendez-vous pour le mois de juin. Donc pour passer sur la 14, et puis si je suis pas prêt, je repousserai en septembre, parce que bon, août, il n'y a pas de session, donc je vais avoir 3 mois là pour bûcher, parce que c'est pas évident, la technique, et c'est assez difficile. Donc pour certains c'est facile, mais bon, pour moi c'est pas évident, donc là j'ai 3 mois pour m'y mettre, et puis si je vois qu'au mois de juin je suis pas prêt, ben, je repousserai en septembre, et puis de toute façon je suis plus un mois prêt, hein, voilà quoi, c'est... Ok, c'est belle. Frédéric, ouais, je l'écoute souvent, je l'écoute sur un peu partout, sur 40 mètres, il est souvent en fréquence, il fait aussi du 11 mètres, un peu, je pense un petit peu moins maintenant, mais non, je l'écoute, il passe très bien même sur les autres bandes, hein, il envoie du lourd, hein, je crois qu'il a des, je sais plus ce qu'il a, mais non, il a des gros pylônes avec des grosses antennes, il a ce qu'il faut, t'inquiète pas. Et son copain aussi, Jean-Marie, Oscar Kilo 122, je crois, je sais pas si tu l'as déjà entendu, Jean-Marie, c'est pareil, hein, lui, il a une, je crois que ça doit être une 5 ou 6 éléments grand espacement, tu vois, monobande, donc c'est pareil, hein.
Ah ouais, effectivement, ouais. Ouais. Et toi, t'es en Bretagne, c'est ça? Attends, je vais te dire si j'ai déjà entendu là. Bouge pas une seconde. Alors attends. F6, comment tu dis? Vas-y, répète le nom. Ouais, j'ai entendu un break, mais c'est vraiment trop petit, hein, désolé. Par contre, je crois qu'il y a Laurent tout à l'heure, j'ai entendu Laurent, donc je vais laisser un petit plan là bientôt. Ouais, il est actif, il fait beaucoup de 10 mètres, il est beaucoup sur le 28 mégas, tu vois. Donc il est, apparemment, il est peut-être plus actif sur le... Il y a pas mal de R1 qui font plus de 27, hein. Les mecs, ils ont tellement de propagation, ils ont une propagation de malade sur les autres bandes, donc voilà, ils vont pas... Les 11 mètres, ils s'en foutent un peu, quoi. Il est actif beaucoup sur le 28 mégas, et il fait aussi de la C double. Alors je sais pas après s'il le fait manuellement ou si c'est par ordinateur, mais je le vois, il a pas mal de contacts en C double et sur 10 mètres là, ok Lionel? Ouais, je connais. Je crois que c'est avec HRD, hein. Avec HRD, moi je l'utilise plus trop en ce moment, mais oui, c'est HRD qui te, selon la division, tu peux changer, je crois que tu peux pointer l'antenne, effectivement, ouais, tu tapes, je sais plus si j'avais vu ça, mais il y a d'autres logiciels qui doivent le faire, hein, parce que moi je voulais le faire un moment, mais bon, c'était un petit peu trop compliqué, quoi, il fallait une interface, enfin je m'étais renseigné au début, mais bon, puis je m'en fous, quoi, je veux dire, tourner le moteur avec la main ou cliquer sur ordinateur, bon, tu vois, les deux sont pas fatigants, quoi, donc j'ai laissé tomber, quoi. Mais ouais, effectivement, c'est pas mal. Le mec, il est sur HRD, il tape l'indicatif ou il tape une lettre de la division, et puis tout de suite, t'as l'antenne qui se bîme automatiquement. Ouais. Ça, c'est, je connais le système, ouais, c'est pas mal. Hein. Il a eu deux, la fidère et puis l'autre.
Il y a des mecs super fortifiés. Il y a quelques-uns.
tu vois, j'ai le spectre qui s'affiche. De toute façon, je le sais, quand j'arrive sur une bande qui a un pile-up, je vois tout de suite, hein, j'ai un gros spectre qui s'affiche sur plusieurs bandes côte à côte, et c'est monstrueux. Hein. Ouais, bah, je le vois en même temps, tu vois, dès que t'arrêtes de parler, bah, y a le spectre qui redescend, puis je vois autour ce qui se passe, là, tu vois. Là, je vois ce qui se passe un petit peu autour, entre, là, je vois entre 27 600 et 27 780 environ, là. Thank you.
Ouais, je crois que vous avez parlé en même temps là. Ouais, ok Laurent, là c'est trop petit, hein. Lionel te reçoit, mais c'est trop petit Laurent, la QSL. Ok Laurent, bah, je te remercie, bah, je te reçois bien aussi, hein. 59 ici là, ok. Ouais, c'est 14, Delta Alpha 33, c'est ça? Ok, donc Lionel, donc je te fais le QSP, je crois qu'il t'a déjà contacté, c'est 14 Delta Alpha 33 Laurent là, qui est en mobile. Laurent, je te retourne le micro.